Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc. Non. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que ça me ziouf trop? Est-ce que ça se voit que 1, c'est le matin et 2, c'est pas scripté? Peut-être! Tipou les grenouilles, aujourd'hui, vous allez avoir droit aux mêmes infos d'homepage que les personnes qui me demandent Hey, c'est quoi le truc qui est aimanté à ton radiateur? Et du coup, je vais vous parler de ces petits éclairages-là. Une fois n'est pas coutume, on s'en fout, blablabla. En vrai, c'est génial ce truc-là est extraordinaire. Parce que, en fait, attention, la magie, parce qu'ils sont contrôlés par le téléphone aussi. C'est parce que je l'ai pas configuré. Un instant. C'est des trucs de Neewer, c'est des éclairages à LED qui changent leur couleur. Je les utilise pour plein de trucs. On voit, je vais vous montrer mes petites applications plus tard. Mais d'abord, je vous montre, genre, qu'est-ce que ces trucs ils peuvent faire en vrai? Parce que déjà la luminosité est contrôlable. Hop là, voilà. Oh. Je peux contrôler bien évidemment la couleur comme je veux, parce que j'ai un nuancier là. Et je peux gérer juste en teinte, en saturation, en luminosité. Et il y a les petites scènes. Et là, chuic, chuic, chuic. Là, c'est une bougie. Là, c'est la fête. Là, vous aurez deviné, c'est la cave. C'est spécifique. Et là, c'est si t'es en train de souder. Bref, c'est n'importe quoi cette vidéo, mais c'est pas grave. Et ensuite, les applications de ces machins-là. À quoi je m'en sers? Dans quoi? Quoi? Oui, tu veux que je refasse la transition? Ok, donc du coup, dans quoi je m'en sers? J'ai l'impression de guider les avions, tu sais. Bref. Je m'en sers dans plein de trucs. Déjà, je m'en sers dans les vidéos, forcément, parce que bah, du coup, je peux m'éclairer un peu différemment. Voilà, c'est aimanté, c'est magique. Et du coup, ça fait des petits trucs, etc. J'avais essayé de les mettre derrière moi pour m'éclairer derrière, mais ça marchait pas bien comme je voulais. Finalement, une ampoule à un filament. Non, c'est une ampoule LED? L'ampoule LED. L'ampoule LED était genre plus. Bah, marchait mieux. Des fois, les solutions les plus débiles sont les plus simples. Sauf dans certains trucs, genre le flash info par exemple, je m'éclaire en rouge derrière et de l'autre côté, j'ai un vert qui est dirigé sur l'écran pour avoir du fond vert qui est vert et le fond rouge qui m'éclaire. Et on peut contrôler tout ça avec les petits boutons ici, mais c'est vachement moins pratique qu'avec un téléphone. Surtout qu'avec un téléphone, on peut les avoir dans une scène et genre juste bouger les trucs. Et on peut encore donner 2 millions sur l'application. Moi, ils m'en ont filé 2. Je crois qu'on peut en mettre 37. Alors donnez des sous sur YouTube parce que j'ai beaucoup envie d'en posséder 37 et de manger parce que l'inflation tout ça, mais en posséder 37 aussi. Du coup, je m'en sers pour quoi? Donc je m'en sers pour l'éclairage comme ça là, tada, oh je suis un peu éclairé en rose, c'est cool. Je m'en sers énormément sur les photos 7. Alors ça, vous allez voir quelques petites images. Oh, désolé. J'ai l'impression d'être une de ces personnes dans les trucs qui sont filmés en live, qui font des émissions du matin à propos des produits, qui sont complètement décalqués, parce qu'il est 2 h du matin quand ils shootent, en mode... Alors, Virginie, tu vous parles de quel produit? Alors, je vous parle de ce machin, chla. Oh putain! Bref, je suis pas censé dire oh putain en live. Bref, c'est pas grave, je dirais aux advertisers, oh là là, j'ai dit un gros mot. Alors, sur les photos 7, en parlant de trucs qui ne conviennent pas aux advertisers, maintenant j'utilise quasiment plus que ça quand je suis pas en lumière naturelle, parce que j'aime beaucoup les couleurs, j'aime bien avoir des couleurs opposées, etc. C'est hyper pratique, tu peux les poser n'importe où, et en vrai, il suffit d'avoir 2 petites plaques métalliques avec en acier, du coup, avec du fer dedans, et tu peux juste les scotcher au mur, et après tu fais, poc, tiens, ça colle. En parlant de photos 7, ils sont livrés avec des petites poches qui se zippent, enfin qui se scellent et du coup que tu peux mettre sous l'eau. On a fait un photo set genre d'une autre planète avec ça où on a l'impression que bah, l'eau finalement c'est limite une sorte de lumière genre liquide. C'est assez extraordinaire. Mais pour comprendre, il faut aller l'acheter et le voir en fait. Voilà, vous avez le lien, tout ça, nanani nanana. J'éclaire aussi genre... Alors, ça paraît débile, mais moi j'aime beaucoup ça. J'éclaire aussi mes parties de jeux de rôle comme ça, parce que ma table est un cadre en métal et un plateau en verre, comme vous pouvez le voir. Et en fait, je les aimante juste sur le côté et je les contrôle. Et du coup, tu fais, oh là là, il y a le méchant qui a déclenché une bombe. Et hop, tu le mets en rouge clignotant. Et voilà, et là, t'as ton super éclairage, genre hyper angoissant, qui va mettre tout le monde mal pendant 15 minutes, juste avec de la lumière. Plus besoin d'avoir une narration efficace. Je m'en sers aussi si j'ai envie de mettre une ambiance dans une pièce, genre juste comme ça. Je vous laisse deviner le genre d'ambiance, voilà. Et quoi d'autre? Oui, l'autonomie. Je crois sur le site, il y a marqué que ça a 1 heure d'autonomie ce truc-là.
Si vous jouez pas avec, ou peu, genre si vous faites 4-5 changements de scène et qu'il est juste posé, ça tient des parties entières de jeu de rôle. Donc 4-5 heures allumées, sans souci, sur batterie. Oui, parce que ça aussi c'est le truc génial, c'est que c'est sur batterie et que c'est une batterie qui tient méga bien. Et si jamais ça tient pas bien, enfin si jamais vous avez besoin pour plus de 4-5 heures ou que vous avez oublié de les recharger, il y a un USB-C et dès que vous le branchez, vous pouvez l'allumer direct. C'est fait pour pouvoir fonctionner en étant branché. Il suffit d'un chargeur de téléphone. Pouk pouk pouk. Pfiou. Et voilà, ceci conclut cette vidéo finalement, parce qu'on avait. Et oups. Je vous jure qu'aucun matériel n'a été blessé pendant cette scène. Prenez soin de vous, passez sur Utip. Si vous voulez en savoir plus sur ces trucs-là, bah vous avez également le lien dans la description. Vous avez eu le lien dans le i avec marqué Anywhere, la page Amazon. Voilà, des bisous, prenez soin de vous en fait. Et à la prochaine vidéo. Ciao ciao.